Est-ce qu'il y a des questions? Tout ça a bien sûr un objectif, c'est de sécuriser beaucoup plus la perspective pour la production et les producteurs, à la fois en termes de volume et en termes de prix. On est en train aujourd'hui de gérer l'urgence. Ici, on parle de moyen terme, mais nous, en Bretagne et avec les producteurs, on est dans l'urgence. Et donc, ça n'a pas forcément répondu aujourd'hui à notre urgence, tout simplement. Notre volonté de voir un ensemble de contrats mis en place par les opérateurs. Encore une fois, nous, en tant que responsable syndical, on peut exprimer nos attentes, mais en aucune manière, nous sommes acteurs industriels pour rédiger ce type de contrat. Pour faire un contrat, il faut être deux. Nous, l'avantage que l'on voit aujourd'hui avec le marché du porc de Plérin, c'est qu'il y a quand même un prix public aujourd'hui qui existe. Et donc c'est ça quand même qu'on défend avant tout. Maintenant, on ne s'oppose pas au principe de la contractualisation. Septembre prochain, organisé par la FNSEA, on va beaucoup parler. Thank you.